Evariste comes from Burkina Faso. He earned his money for years in Italy, where he worked as a seasonal worker. Oranges, tomatoes, olives. He has picked all kinds of fruits and vegetables. But now, he has come back home. He is celebrating this with a big party for his family and friends. Ce qui me plaît le plus, c'est ma liberté ne me plaît. Là-bas, on n'est pas libre. On vous fait rentrer comme des troupeaux. Si vous voulez vous faire sortir comme des troupeaux. Bon, ici, d'abord, c'est ma liberté parce que ici, je suis libre. Je suis chez moi, je suis libre. Même si je n'ai pas beaucoup, je suis libre. Now that Evariste is back in Burkina Faso, he needs to maintain his family with the revenues of his hometown business. He invested some of his money in training facility equipment to keep the fire burning. Voilà, voici la salle de gym, en quelque sorte. Ce que je fais maintenant, c'est minuscule, mais ça va, je fais presque de tout. Je reçois mes élèves ici. Et je suis content de ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Comment ça va? Tu es venu pour t'entraîner? Oui. Okay, c'est bien. C'est bien. C'est du courage, il faut avoir du courage. Hein. Je voulais aussi partir en Europe voir ce que. Mais il faut laisser affaire d'Europe là, il faut t'entraîner d'abord. Voilà. En Afrique ici, bon, on croit que l'Europe, c'est la fin de la misère. Un. Deux. Mais pour moi, c'était vraiment, je peux dire que c'est le contraire. C'est le début même de la misère. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Bravo, c'est bon. Accroche. Voilà, accroche, enlève ta main. Enlève ta main. Voilà. Bon, c'est bon. Mais tu veux aller en Europe? Qu'est-ce que tu veux aller faire en Europe? Bon. Tu veux aller faire quoi? Je voulais aller chercher une meilleure vie. Ah, quelle meilleure vie? En Europe, il y a rien. Ici, là, c'est mieux. Ouais. Mais là-bas, qu'est-ce que vous faisiez comme boulot? On faisait n'importe quoi, c'est qu'on trouvait. C'est qu'on nous donnait à faire, on fait. C'est mon petit frère, non? Mm. Tu es né ici, moi, je suis né ici. Et tu m'as déjà vu au champ. Non. Mais là-bas, on a cultivé. Tu as vu les photos, non? Et puis quand tu travailles, on te botte le cul. Oui. Ça, c'est les cassettes. J'ai remarqué que c'est dur. Il pleut, vous travaillez sous la pluie. Hein? Vous travaillez sous la pluie. Tu vois la pluie glaciale de l'Europe. La nuit, tu viens, où vous dormez, il n'y a même pas de chauffage. Le matin encore, à 5 heures, tu dois être debout pour aller encore faire le même travail que tu as fait hier en pleurant. Parce que tout ça, pour revenir, pour pouvoir gagner quelque chose pour revenir chez toi. C'est la première fois de voir cette photo-là. Je n'ai jamais vu ça. Il n'est pas dit que c'est secret. Regardez, tout le monde vous voyez. Fais je crois qu'en Europe, là-haut, c'est pour aller chercher un lieu de travail, pour travailler chaque fin du mois, avoir l'argent. Je ne sais pas ce que c'est pour aller faire tout ça là, en Europe. Moi, je suis parti pour eux pour chercher l'argent. Tu vois déjà l'argent. Donc, c'est ça qui m'a poussé à aller. Sinon, mais c'est pas ce que vraiment. C'est pas ce que je pensais. On n'a pas dit pour quelque chose. Voilà. On n'a pas dit pour gagner de l'argent pour supporter la famille. Donc, chaque jour que je dormais, vraiment, je n'arrivais plus à dormir parce que je commence à comprendre que ce n'est pas ce que les gens. Pas moi seulement, c'est ce que les gens pensent ici. C'est ça maintenant mon problème parce que moi j'ai déjà vu que je sais. Mais maintenant, comment faire comprendre maintenant ceux qui sont ici maintenant que ce n'est pas ce qu'ils croient? Non, j'ai commencé maintenant à réfléchir. Fait que semaine là-bas, ça ne va pas. Evariste advises his fellow countrymen to stay in Burkina Faso. Together with his brother, he started an association to inform youngsters about life in Europe. But not everyone is convinced. Moi, je rêve d'aller en Europe. Même si je vais mourir là-bas, je préfère mourir en Europe
au lieu de mourir en Afrique. Moi aussi, je préfère d'aller voir avec mes yeux. Tu te rappelles d'Emile, celui qui vendait l'eau là. C'est en Algérie qu'il est mort comme ça. Parce qu'il rêvait pour aller en Europe. Voilà, il rêvait parce que nous, que nous, on peut faire ici même gagner l'argent rapidement. Là. En Europe, il n'y a plus ça. Si on vaut mieux que nous tous restions ici, on va lutter ici, on va réussir ici. Moi, je crois que c'est mieux. En Europe, là, c'est grave. Mais moi, j'ai déjà essayé. Non. Et ça, il s'est dit. Moi, j'ai déjà essayé. C'est pas bon, ça va pas. Tu vas dormir dehors, il y a le froid, on t'insulte de gauche à droite. C'est le rêve, parce que si on dit l'Occident, l'Europe, hein, vous voyez dans les télévisions, tu vois, ils croient que c'est ça, quoi. Pourtant, c'est autre chose. La réalité, là, c'est autre chose. Les films, les télévisions nous font croire que là-bas, c'est des mises en scène. Hein. C'est pas la réalité. Je vais faire tout possible pour entrer en Europe, même si je vais marcher à pied pour aller en Europe. Il faut que je rentre aussi pour connaître ce que c'est que la vie. It seems pointless for Evariste to try to persuade his friends to stay in Burkina Faso. What do you think? Should he stop his efforts or should he continue informing our brothers and sisters about the dangers of life in Europe? Join the discussion on the website.